La FX3 propose enfin le format DCI 4K en 24p. Comment l'utiliser avec l'Atomos Ninja 5? Tu branches le Ninja 5 et tu glisses ta carte mémoire. Tu choisis le mode DCI 4K en 24 images par seconde. Tu vas dans les options de sortie externe. Tu sélectionnes le ProRes 422, c'est en HD et c'est normal. Pour passer en 4K, tu choisis Off HDMI uniquement. Voilà, tu peux enregistrer du DCI 4K sur ton Atomos Ninja 5. C'est propre, c'est top. Allez, à très bientôt. Ciao !